La station des Carélis était cette année ville d'arrivée et de départ du Tour de l'Avenir. Jeudi 22 août, elle accueillait l'arrivée de la quatrième étape, une étape de montagne, au départ de La Rosière en Haute-Tarentaise vanoise. Un parcours de 143 km et 3500 mètres de dénivelé positif, avec la montée du col de l'Iseran. Le lendemain, direction l'Italie, avec un parcours de 120 km. Le Tour de l'Avenir, c'est évidemment une course cycliste internationale. Et c'est vrai que l'année dernière avait été un petit galop d'essai. Alors, sous la pluie, l'arrivée. Et cette année, eh bien, on a un magnifique soleil. Et puis, on a l'arrivée des hommes, mais aussi l'arrivée des femmes. Et ça, c'est très bien. Et puis, un départ le lendemain. Des hommes aussi et des femmes. Un événement qui permet de mettre en lumière cette station et de promouvoir le tourisme 4 saisons. Et donc, avoir des événements tels que le Tour de l'Avenir aujourd'hui, bah, ça nous permet de démontrer que même l'été, sur une destination comme les Carélis, eh ben, on est prêt à recevoir des tas de gens et qui sont là pour vivre leurs aventures au-delà de la montagne, mais aussi du vélo, du coup, là, puisque c'est l'arrivée aujourd'hui de ce Tour de l'Avenir féminin. Une belle mise en valeur de notre territoire.